Parfois, le cinéma est un art que l'on s'approprie à un point où on a du mal finalement à comprendre le sens et la vision d'un auteur, lui-même pas forcément clair avec ses envies. Le réalisateur dont nous avons parlé aujourd'hui fait partie de ces cinéastes populaires qui met les spectateurs d'accord, mais qui cristallise un conflit entre critique et créateur. Luc Besson est un réalisateur d'origine française qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 38 ans. Il est un des fondateurs de ce que l'on pourrait appeler le nouveau divertissement populaire à la française, cherchant à révolutionner les techniques de création audiovisuelle tout en voulant internationaliser un cinéma qu'il trouve encore un peu trop ancré dans celui de papa. C'est ainsi que sa filmographie se construit comme un immense exemple de démonstration de force d'un cinéaste cherchant à s'imposer à l'international comme un créateur synthétique de ce qui fait la force d'un divertissement américain et la qualité d'une production française intime. C'est cela Luc Besson, un regard unique sur la fabrique d'un long métrage, mais un regard qui pose également un petit souci quant à la création et la construction d'un de ses films. Car si ces longs métrages sont des exemples d'inventivité au sein de la production française, il n'en reste pas moins des ersatz de grands moments du cinéma américain. S'il a su imprimer pendant un temps un regard unique sur la production d'un blockbuster, notamment au travers de films qui ont marqué des époques par leur univers et leur ambition, Besson a tout de même un petit souci avec l'idée d'inventivité et de créativité, ce qui est pourtant à la base d'un film de cinéma. Besson a pourtant ce petit quelque chose d'unique et de sincère, ce regard sur le 7e art qui pose la question de savoir ce que ce cinéaste atypique veut réellement retranscrire au travers de ses œuvres. Car s'il se dessine un schéma dans ses premières heures, celui-ci a rapidement laissé place à une filmographie brouillonne, faite d'envie, de besoins et de moments de perdition presque. Cinéaste perfectible cherchant à inventer et susciter quelque chose de nouveau chez le spectateur, Besson semble lui-même pourtant perdre de vue ce qu'il veut faire du cinéma, et surtout de son cinéma. Créateur et graphiste hors pair, il n'en reste pas moins un auteur brouillon, dont les histoires sonnent finalement comme quelque chose de générique, et parfois même de peu subtil. Luc Besson est un auteur qui pose la question de création, car si ses films ne manquent pas de graphisme et de générosité sensorielle, ceux-ci n'en restent pas moins des objets dramatiquement et narrativement très faibles, où la potacherie et le détournement semblent plus former la base créatrice d'une histoire simpliste qu'un réel besoin de raconter une aventure transmettant quelque chose au spectateur. Certes, ses films sont forts quant au regard que le cinéaste porte aux différents genres qu'il investit. Mais pour autant, cela reste un regard et une manière de créer, un petit peu trop simpliste pour totalement convaincre les sceptiques, encore persuadés que le vrai Besson a cessé de faire du cinéma au début des années 2000. Mais c'est certainement là que l'on se trompe. Car si Besson avait réellement cessé de faire du cinéma sérieusement au début des années 2000, le succès ne serait pas au rendez-vous, et encore moins son envie folle de partager des passions et des délires aussi dingues que ceux qu'il nous propose aujourd'hui en salle. Car si Besson interroge en termes d'écriture, l'envie de parler de l'être humain et de ses capacités face à l'adversité lui permet de mettre un ADN au cœur de ses films, un ADN universel qui passionne forcément le spectateur, celui de l'adrénaline et de la sensation d'immersion qui fait la sève d'une œuvre de cinéma populaire. Donc au final, Besson est à la fois la force d'un cinéma d'auteur parvenant à s'approprier un genre de cinéma, et en même temps, un créateur qui manque d'imagination pour totalement réussir à se réinventer et à proposer quelque chose d'aussi neuf que ce qu'il propose en termes de graphisme et d'immersion cinématographique. Plonger dans le cinéma de Luc Besson, c'est accepter la vision singulière d'un graphiste ne cherchant plus à renouveler la narration, mais l'esthétique du cinéma moderne. Si Besson pose autant de problèmes aujourd'hui pour certains, c'est peut-être parce que finalement, une expérience graphique et sensorielle réussie peut parfois réussir à rattraper certaines facilités dramatiques.